Vous êtes bien réveillés? Ouais, ils sont bien réveillés. Mais il fait pas beau, il fait gris, il pleut. Mais c'est pas grave. Madame Météo a décidé d'être toute grise aujourd'hui. De nous pas. Embêter jusqu'au bout. Ouais. Allez, ah, joli. Aujourd'hui, finalité des préparatifs et... le départ. On va pas vous dire toutes les destinations parce que ça sera infernal. Ce soir... je piaffe d'impatience, moi. Moi aussi, je suis super excitée, on dirait pas. Mais bon, on dit où est-ce qu'on va aujourd'hui ou non? Allez, allez, dis-le. On le dit? Bon, on va jusqu'à Agen aujourd'hui. On va traverser la campagne et on va s'arrêter à Agen. J'ai trouvé un joli parking avec parc fromage qui ouvre. Et on va dormir à Agen ce soir. Voilà. Et demain, on continuera un peu plus loin. On vous dira ça demain. Oui, parce qu'après, le week-end va être très, très, très chargé. Oh oui. Allez, la suite, tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, donc voilà. On ferme le QG. Voilà. C'est fermé. Bien. Oh, tu reviendras. C'est parti. C'est parti. Yes. On a encore quelques bricoles à amener. Alors là, de loin, on voit Foxy. Derrière Foxy, il y a Coquelicot. Il est caché. Il se cache, Coquelicot. Il a honte ou quoi? Oh, le pauvre. Il est intimidé. Allez. On y va! Et voilà, on est parti! Coquelicot est déjà parti, donc Foxy est tout seul, derrière moi, là, il est là, la domino, elle est toujours, il est toujours derrière moi, ça c'est sa place préférée. Allez, c'est parti! On a dit, aujourd'hui, on va jusqu'à Agen. Donc... oh là là, il y a de l'eau qui coule partout là, mais il a plu pendant 2 jours. Et tout doucement, on va jusqu'à Agen. Et donc avec Ambre, on se donne rendez-vous sur un parking juste à côté de la passerelle qui... il y a un parking à Agen. Il y a une passerelle qui traverse la... c'est la Garonne, ouais, c'est la Garonne, voilà. Il y a un parking juste à côté et puis on va se donner rendez-vous là. Voilà, allez, à plus. Bon, je vais en profiter, je vais aller me faire peser. Je vois qu'ils ont modifié parce que la dernière fois quand je suis venue, on était encore obligé d'attendre une personne qui est derrière le guichet. Mais je vois que là, ils ont tout automatisé. Je vais monter sur la balance pour voir si je suis en surpoids. Ou si je bien réussis à faire des choses bien comme il faut, à ne pas surcharger Foxy. Voyons qu'est-ce qu'il me dit. 3600. Ah ben c'est génial, j'ai que 100 kilos de... ah super, je suis contente. Donc ça va. Ça y est. On est paré là. Là, je prends la direction de Agen. Première étape. Que pour cette nuit. Hein. Après, on vous dira. On vous dira au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'on a certaines obligations, certains rendez-vous en France. Et après, on va quitter la France. De toute façon, on vous tient au courant de tout ça. Madame Météo est grise, m'en fous. Cassie est là-haut, dans le lit. Elle ne miaule plus, elle est sage. Avec Rissa, on ne roule pas ensemble. On se donne un point de chute pour le soir, un point de rendez-vous. Là, c'est Rissa qui l'a trouvé, c'est plus son truc. Donc elle a trouvé un arrêt gratuit et tout sur Parc Fortnite. On verra si c'est bien, etc. Je crois que c'est le long du canal. Et puis après, de toute façon, c'est que pour une nuit. Après, on continue de descendre vers Toulouse. Tout va bien.
Bon, mais c'est pas grave, on s'est donné rendez-vous à Agen. C'est reparti pour 4 mois de vaudrouillage. De vaudrouillage, n'importe quoi, j'invente encore des mots. Là. Voilà, de balade à gauche et à droite. Là, aujourd'hui, on va jusqu'à Agen. Demain, on va jusqu'à Toulouse. On va passer le week-end à Toulouse. Il y a un rassemblement camping-car. On va là-bas. Ensuite, on va faire un crochet par Clermont-Ferrand. On va faire un petit coucou à Ladine. Oui, pour lui faire la bise. Et ensuite, on va direction Saint-Étienne, Valence, Saint-Étienne. Et ensuite, bah, écoutez. Ensuite, ben on ne sait pas. Voilà, on a décidé que maintenant, notre patronne, c'est monsieur, non, madame, pardon, madame, oh là, madame Météo. Et voilà, et derrière moi, vous voyez là, il y a Domino, il est de partie. Ambre, elle est loin avec son petit chat qui s'appelle Cassie. Et voilà. Super. Là, on est arrivé à Agen, première pause, premier parc Fortnite, au loin c'est Crissa, voilà Foxy, c'est un arrêt, un parc gratuit, hein, mais il n'y a aucun service, il y a pas mal de voitures garées, mais on est très bien, il y a la passerelle au bout là-bas, voilà, on la voit mieux là, qui peut amener à pied tranquillement jusqu'au centre d'Agen. Les oiseaux, la verdure, on est très très bien. Mais il faut avoir besoin de rien, ni d'eau, ni d'électricité. Parce que là, il n'y a strictement rien.